بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc ce soir, comme tous les mercredis et samedis, la croyance du musulman en 200 questions-réponses. Cours de Aqida Sahih. On poursuit à la page 228, Inch'Allah, la page 228 à la question 151. Non, on avait vu la fois passée, la dernière fois, c'était dans la question. La preuve du quatrième niveau, à savoir la foi au destin. Hein? Dans la foi au destin, pardon, à savoir celui de la création. Et on a vu des versets et des hadiths. La question 151, là, le cours de ce soir, Inch'Allah, ça va vraiment encore porter sur le destin, sur le qadar. Ce sujet très important. Ce sujet qui est très important. Donc, des points de croyance par rapport au destin. Les questions qui suivent, Naam, sont vraiment basées que là-dessus. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est un sujet vers lequel vous devez avoir la plus grande attention, Inch'Allah. Donc, la question 151 est la suivante. Que veut dire la parole du prophète, Aïssalat wa salam, qui est « Tout le bien est entre tes mains, en visant Allah. » En visant Allah, hein, tes mains, en visant les mains d'Allah. « Tout le bien est entre tes mains. Quant au mal, il ne t'est pas attribué. » Quant au mal, il ne t'est pas attribué. Toujours en parlant d'Allah. Ça, c'est, ça fait partie d'un long hadith rapporté par Muslim d'après Ali, radiallahu anhu. D'accord ? Bon, il dit d'Allah, tout le bien est entre tes mains, ya Allah, quant au mal, il ne t'est pas attribué. Alors que nous savons qu'Allah azzawajal est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas ? Allah est bien le créateur de toutes choses. Donc comment on peut coïncider notre croyance connue qui est qu'Allah est le créateur de toutes choses avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le bien il est entre les mains d'Allah, mais que le mal il n'est pas attribué à Allah. D'accord ? Certaines personnes pourraient dire que c'est une contradiction. Réponse à cela. Cela signifie que les actes venant d'Allah, Azzawajal, sont tous du bien pur. Tous les actes venant d'Allah sont du bien pur. Du fait qu'ils se caractérisent, subhanahu wa ta'ala, par eux. Et qu'ils proviennent de lui. Ne comportant donc aucun mal de quelque point de vue. Allah est en effet sage et juste. Et tous ses actes sont sagesse et justice. Parce qu'Allah est parfait, donc dans ses noms et dans ses attributs. Il met les choses dans leur juste place, comme elles lui sont connues. Subhanahu wa ta'ala. Quant au mal compris dans la même chose destinée, il en est ainsi de par son attribution au serviteur, à cause des inconvénients qu'il subit. Et ceci est une rétribution équitable pour ce que ses mains ont acquis, conformément à la parole du Très-Haut. Qui est la suivante, le verset 30 de la sourate 42. « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Ou encore, le verset 76 de la sourate 43, « Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. » Mais encore, verset 44 de la sourate 10, « En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. » D'accord ? Yani, c'est pas... Le mal n'est pas attribué à Allah, c'est pas Allah qui te fait descendre un mal, par exemple la personne qui va aller forniquer, attraper une maladie, ou aller boire l'alcool, etc., faire des choses comme ça, ou aller prendre des armes, tirer sur des gens, du coup se faire tuer, etc. On va dire, certaines personnes de l'ignorance, en tête les koufars, vous les entendez souvent dire ça, c'est injuste ce qui lui est arrivé, etc. Par exemple, il va aller braquer, ou il va aller, vous savez, être dans le banditisme, etc. Il est dans le mal, mais il est dans le mal de son libre arbitre. Comment on va attribuer le mal à Allah ? Allah, il a créé toute chose. Il a créé aussi ces actes-là de mal. C'est la création, bien sûr. Mais tu ne peux pas les attribuer à Allah. Allah, il fait descendre sur toi que ses bénédictions, que le bien. Après, l'homme, il se dirige aussi de son libre arbitre vers le mal. Mal créé par Allah, bien sûr. Bien sûr, Allah est créateur de toute chose. Mais on ne peut pas attribuer ces choses-là à Allah. C'est l'homme qui a voulu, hein, par son libre choix. D'accord ? Donc ça, il faut le comprendre. Question 152. Les serviteurs ont-ils du coup un pouvoir et une détermination sur leurs actes qui leur sont attribués ? De bien ou de mal d'ailleurs. Les actes du serviteur. Est-ce qu'ils ont un pouvoir et une détermination là-dessus ? La réponse est oui. Oui, les serviteurs ont un pouvoir sur leurs actes. Ainsi qu'une détermination et une volonté. Propre à eux, bien sûr.
Ce n'est pas la volonté d'Allah. Leurs actes leur sont réellement attribués. D'accord ? Au sens propre. Hein. Au sens propre et non figuré. Les actes hein, des serviteurs leur sont réellement attribués. D'accord ? C'est mes actes. Selon eux, ils, les serviteurs donc, sont rendus responsables. Et par rapport à ces actes, ils sont récompensés ou punis. Sinon, il n'y aurait aucun sens. Ça, c'est d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse vraiment, ce point-là de destin et qui veulent approfondir et avoir plus de science dans ce domaine, je vais vous donner un lien immédiatement. C'est la croyance correcte concernant le destin et puis toutes les dérives sectaires à ce sujet. Balayez, bien sûr. Je ne fais pas que les énumérer pour mettre des choubrettes. Je les balaye aussi en même temps. C'est-à-dire que je dis, ça, c'est n'importe quoi. La croyance correcte et les dérives sectaires concernant la foi au destin. Ça, c'est le titre de l'audio que j'ai fait, Inch'Allah. Et je me suis basé sur un livre de croyances, Naam, un livre qui traite du destin. Donc, j'ai fait un résumé de quelques pages de ce livre, ainsi que j'ai puisé aussi dans Usul As-Sunna. Je vous mets le lien pour, Inch'Allah, ceux que ça intéresse. Bon, eh bien, on apprend, donc, voilà, dans différentes sectes, ben, il y en a, Naam, ça peut paraître aberrant, et tant mieux si ça vous paraît aberrant, car ça veut dire que vous êtes sur la Sunna, des gens qui disent que non. Non, nous, on n'a aucune responsabilité dans nos actes. Donc voilà. C'est, en gros, Allah nous force à faire un bien ou nous force à faire un mal. Donc il n'y aurait aucune idée de jugement et de récompense. Puisque vous êtes récompensé pour quelque chose que je n'ai pas voulu faire. Ou bien être puni pour quelque chose que je n'ai pas voulu faire. Pour eux, ça n'a aucun sens. Il y en a qui disent que ça n'a aucun sens. Il y en a qui disent carrément que Allah, il est injuste. Subhanallah. Puisque quoi? Ça, c'est les pires. C'est ceux qui disent en gros que Shaitan est un pauvre malheureux. Oui, il y en a qui disent ça, et dans l'audio, vous pouvez l'écouter. Ça, c'est une secte, hein, une secte très, 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 très égale. Ça fait partie notamment du coin des soufis, etc. Que Shaitan est un pauvre malheureux. Non. Shaitan est un malheureux, pourquoi? Parce qu'il a été forcé. Il a été forcé de désobéir à Allah, et du coup, voilà, il n'est pas. Allah, il lui a fait de l'injustice, subhanallah, voilà, il lui a fait de l'injustice. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ça mène l'égarement, et quand on n'a pas de science. Donc, ça, c'est des dérives graves. De penser, et peut-être que là ça vous choque, mais détrompez-vous parce qu'au quotidien, dans les paroles des gens, des fois on entend un peu ça. Ah, d'accord ? Pourquoi ceci, cela, mais lui non, mais c'est injuste ce qui lui arrive, subhanallah. Donc c'est, vous comprenez ? Ce genre de paroles-là, c'est dans la même. C'est quasiment dans la même lignée. Ah, même si c'est inconscient parfois, il faut faire très attention à ce qu'on dit. À ce qu'on dit, d'accord ? Et donc voilà, il y en a qui ont ce genre de propos concernant les actes, d'accord ? Et qui n'y voit, du coup, il n'y aurait aucun intérêt à être récompensé ou puni, puisque ce n'est pas moi qui est maître de mes actes. Alors que non, on a une volonté, un libre arbitre sur nos actes. Je décide de faire un bien, je décide de faire un mal. Allah nous préserve. Je reprends donc la lecture de la réponse. En outre, Allah Ta'ala ne les a chargés que de ce dont ils sont capables. Et il leur a confirmé ceci dans le Coran et la Sunna. C'est ainsi qu'il les a décrits. Mais ils ne sont capables que ce dont Allah les a rendus capables. Là, je marque une pause. On apprend toujours avec irada kauniya, c'est-à-dire que tout est sous la volonté d'Allah, tout, absolument tout. D'accord ? Tu fais un mal, tu es ton libre arbitre, tu le fais de ton plein gré, mais c'est sous la volonté d'Allah. C'est Allah qui te permet de faire cela, puisqu'Allah même il te permet de respirer. Et il faut que tu respires pour rester en vie. Donc de toute manière, quand tu fais ce mal-là, c'est par la permission d'Allah, vous comprenez ? D'accord. Donc ils ne veulent agir en bien comme en mal, hein, que si Allah veut. Et n'agissent que lorsqu'il, subhanahu wa ta'ala, leur permet d'agir, comme cité précédemment dans les textes concernant la détermination, la volonté et la création. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ou sinon, revenir au cours précédent. De même que les serviteurs ne sont pas donnés l'existence. Hein, ils ne sont pas à l'origine de l'existence de leur propre acte, c'est-à-dire la création. Ainsi, leur pouvoir, détermination, volonté et acte dépendent de son pouvoir à Allah, de sa détermination à Allah et de son acte. Attendu, hein, qu'il est leur créateur et le créateur de leur pouvoir, de leur volonté, de leur détermination et de leurs actes. C'est-à-dire que j'ai, moi, à une certaine mesure humaine et non pas divine, comme Allah, un certain pouvoir. J'ai un certain pouvoir. Et tu peux dire comme le gouverneur, il a un pouvoir de te châtier ou il a envie de te faire grâce. Il est clément, voilà, il te laisse partir, d'accord, hein, les policiers, etc. Une volonté. J'ai la volonté de faire X chose. Hein. Je détermine les choses et j'ai des actes. Je fais mes actes, d'accord ? Hein ? Je suis maître de mes actions, j'agis, voilà. Mais tout cela, ça a une mesure humaine. C'est absolument pas comparable avec Allah. Et tout cela, ça dépend d'Allah. Tout cela, ça dépend d'Allah. C'est en dessous, d'accord ? Hein ? Puisque ça dépend du pouvoir d'Allah, de la détermination d'Allah, de l'acte d'Allah, hein, puisqu'il est créateur de toutes choses. Ça, si vous avez compris ça aussi, vous avez compris une grande chose.
Ceci dit, leur détermination et leur volonté, leur pouvoir et leurs actes ne sont pas ceux d'Allah proprement dit. Tout comme ils, donc les serviteurs, ne sont pas Allah. Et Allah est bien au-dessus de tout cela. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Hein? Rien n'est comparable à Allah. Et Allah est au-dessus de toute chose. Leurs actions aux serviteurs sont plutôt créées par Allah et accomplies par eux-mêmes. Ça, vous pouvez le noter. Phrase très importante qui pourrait résumer de manière extrêmement concise ce point-là. Les actions sont créées par Allah et accomplies par les serviteurs. Je répète, les actions sont créées par Allah, bonnes ou mauvaises, hein. Les actions des serviteurs sont créées par Allah et accomplies par les serviteurs eux-mêmes. Très important. Hein, elles leur correspondent, leur sont réellement attribuées. C'est bien évidemment, parce que si elles n'étaient pas attribuées aux serviteurs, je vous dis, il n'y aurait pas de jugement. Hein? Non, non, je fais un bien, il m'est attribué. C'est moi, je l'ai fait. C'est moi que je l'ai fait. Allah a créé mon acte, et moi, je l'ai fait. Hein? Ça m'est attribué. Le mal, pareil. Sinon, en raisonnant comme ça, il n'y aurait aucun jugement possible. Elles leur correspondent donc, leur sont réellement attribuées et sont parmi les effets des actes d'Allah accomplis par lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui lui correspondent et qui lui sont réellement attribués. Donc Allah est véritablement agent. Hein, encore une fois, au sens propre, il est agent des choses et le serviteur est celui qui réagit véritablement en conséquence. Donc, c'est Allah qui a la base des choses, c'est pour ça qu'on dit agent et le serviteur il n'est qu'une une conséquence. Hein, il réagit véritablement en conséquence. Allah est réellement guide et le serviteur est réellement guidé. On est toujours, en fait, soumis et en dessous. Allah, il est le guide, et nous, quoi ? Nous, on est des gens guidés. Des gens guidés. C'est pourquoi Allah a attribué chacun des deux actes à celui qui l'exécute. Ainsi, Allah Azzajal dit, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, dans la sourate 17 au verset 97. Donc, en conclusion, l'attribution de la guidée à Allah est une réalité. Et l'attribution du fait d'être guidé au serviteur est également une réalité. À Allah appartient la guidée et à nous, le fait d'être guidé, d'accord ? Tout comme le guide n'est pas le guidé lui-même. Allah, il n'a pas besoin d'être guidé, c'est lui le guide. Non ? La guidée n'est pas le fait même d'être guidé, c'est la guidée. La guidée, il y a celui qui guide, donc c'est Allah celui qui guide. Il y a la guidée en elle-même, c'est une chose, il faut bien aussi comprendre, Inch'Allah, vous pouvez le noter. Hein. Il y a celui qui guide, il y a la guidée, la voie, si vous voulez, la bonne voie, le droit chemin, et il y a celui qui est guidé. C'est clair ça, Inch'Allah ? Donc Allah égare qui il veut véritablement. Dès lors, le serviteur en question devient réellement égaré. Il en est ainsi de toute la disposition d'Allah quant à ses serviteurs. Donc quiconque attribue l'action et la réaction au serviteur, ne croit pas, il a mécru. Et quiconque les attribue tous deux à Allah, ne croit pas non plus. Par contre, le juste milieu et la croyance authentique à ce sujet, c'est quiconque attribue l'action au créateur et la réaction à la créature. Lui, il est véritablement croyant. Lui, il a la croyance authentique à ce sujet. D'accord ? L'action, c'est... On la rend au créateur, elle appartient au créateur, et la réaction, le fait de faire la chose, la âme, ou de subir la chose, comme une guidée ou autre, ça vient être attribué au croyant, ou à la personne, la âme. Inch'Allah que c'est clair, c'est des points un petit peu plus techniques, mais j'espère que c'est clair pour vous. Question 153. Que répondre à celui qui dit ? Donc c'est une ambiguïté, ou une question récurrente de chez les gens. Qui est, n'est-il pas possible, quant au pouvoir d'Allah, qui est capable de toute chose, subhanallah, qu'il rende tous ses serviteurs croyants, bien guidés et obéissants, aimant cela de leur part également. Pourquoi Allah, en gros, enfin bref, pourquoi Allah, il n'a pas fait de nous que des croyants. Pourquoi il y a aussi des mécréants. On répond, ça c'est en gros, encore une fois, un sous-entendu. Hein, alors comment ça, Allah, et s'il était capable. Il n'y a pas de s'il était capable, ou si, hein, comme l'autre jour, j'ai dit à la personne de se repentir. Aux dernières questions-réponses, là, dimanche, quand elle a dit, la personne, je me souviens, il y a des atrocités, d'ailleurs, c'est pas la pire des atrocités qu'elle m'a citées, vous savez, avec les enfants syriens qui ont torturé un chat et le jeté du haut d'une falaise. C'est grave, hein. Je dis pas que c'est pas grave, hein. C'est très grave, hein. C'est de la cruauté sur les animaux, c'est très très grave, hein. Et Allah n'aime pas ça, bien sûr, comme toute injustice. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent dans le monde, c'est une réalité. Bon, cette personne-là m'a cité ça. On aurait pu citer les guerres, machin et compagnie. Bref, et Yarni, comment dire ? Eh bien, il dit, voilà, c'est pourquoi Allah, il n'intervient pas, il laisse faire. Ça, c'était dénigrer Allah. Ça, c'est des mots très, très mauvaises paroles de dire des choses comme ça.
Ça, c'est très très mauvais soupçon envers Allah, c'est un manque de science énorme. D'accord ? Voilà, de même. Voilà. Pourquoi on n'est pas tous. Si Allah il était capable, alors pourquoi il ne nous ferait pas tous croyants ? Ce genre de paroles, il faut bannir ça de vos bouches. Donc on répond que, oui, Allah il est capable. Il en est capable, il est capable de toute chose, bien évidemment. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit, hein, dans le Coran, sourate 5, verset 48, si Allah avait voulu, il aurait fait certes de vous tous une seule communauté. Il dit également, sourate 10, verset 99, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. D'accord ? Mais, Allah Ta'ala agit de la sorte, d'accord ? Envers eux, envers donc les créatures, à savoir qu'il y a des mécréants et il y a des croyants, conformément à sa sagesse et en vertu de sa seigneurie. C'est lui le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il a la sagesse parfaite. Et comme on l'a vu, on l'a expliqué, il faut forcément qu'il y ait le bien, le mal. Parce que s'il n'y a que du bien, comment même on peut appeler ça le bien ? Il faut forcément qu'il y ait une dualité. Toujours, toujours une dualité. La nourriture vient calmer la faim. Si on était tout le temps rassasié, on ne saurait même pas c'est quoi avoir faim ou même avoir le plaisir de manger. Vous comprenez ? Le repos vient calmer, soulager la fatigue. D'accord ? Il y a toujours comme ça des dualités des choses, hein, des contraires. Mm-hmm. De même, pour qu'il y ait des actions de bien et des gens qui se démarquent par le bien, il faut bien qu'il y ait des gens du mal. D'accord ? Donc ainsi, donc en vertu donc de sa sagesse, de sa seigneurie, de sa divinité et de ses noms et attributs. Tout ça, c'est parfait. Ainsi, la parole de celui qui dit « Pourquoi y a-t-il ses serviteurs désobéissants et des rebelles, donc des croyants et des mécréants, est semblable à celle qui dirait « Pourquoi parmi ces noms se trouve-t-il le préjudiciable et le profitable, le donneur, l'empêcheur, celui qui humilie, celui qui élève, le bienfaiteur, le vengeur, etc. » C'est-à-dire des choses qui ne sont pas sur la même ligne. Hein, celui qui donne, celui qui prive, par exemple. Alors, il est celui qui donne, il est celui qui prive. D'accord, c'est clair ? Car ses actes, Allah, sont impliqués par ses noms. Ses actions, Allah, sont impliquées par ses noms. Ça, on l'a vu aussi. D'accord ? C'est même Yanis, quand j'avais interrogé dans le petit question-réponse, j'avais dit qu'est-ce qu'il en est au sujet des choses, des noms et attributs d'Allah. J'attendais quatre choses, quatre interdits. À savoir, on ne fait pas la ressemblance, on ne fait pas l'interprétation, on ne fait pas la négation, et on ne pose pas la question du comment. Ça, c'était les quatre choses que j'attendais, que vous devez mémoriser par cœur. D'accord ? Quand quelqu'un vous dit les noms et attributs d'Allah, ça fait partie aussi d'un type de tawhid que les sunnis ont, oui, et il y a quatre choses qui sont totalement interdites avec ces noms et attributs, même si vous ne connaissez pas en arabe, vous dites on ne n'interroge pas sur le comment de ces noms et attributs, on ne les interprète pas, on ne philosophe pas à leur sujet, donc quoi, ça veut dire ça, et puis on ne les nie pas, d'accord ? Et enfin, on ne les compare pas, on ne fait pas de comparaison, d'accord ? On ne les fait pas ressembler aux noms et attributs des créatures, c'est clair ? Ça, il faut que ce soit connu par cœur, Inch'Allah. Donc, pourquoi j'en suis venu à dire cela ? Oui, donc Yanis qui disait, qui m'avait dit, très justement d'ailleurs, on ne déduit pas l'acte comme ça, l'acte découle forcément des noms. Il avait suivi quand on avait fait le cours sur les noms et attributs, ça fait plaisir. Des noms, on déduit des actes, d'accord ? On ne déduit pas un nom d'un acte. D'accord ? L'acte est déduit du nom. L'acte est déduit du nom. Par contre, on ne déduit pas un nom de l'acte. Allah se met en colère. Est-ce qu'Allah est le coléreux ? Là. Allah n'est pas le coléreux. Mais Allah se met en colère. C'est une action, d'accord ? Donc, ces actes sont impliqués par ses noms et sont les effets de ses attributs. Toujours. Donc, s'opposer à lui, Allah, dans ses actes, revient à s'opposer à lui dans ses noms, ses attributs et même dans sa divinité et sa seigneurie. Et versets 22 et 23 de la sourate 21, « Pureté donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, tandis que ce sont eux qui devront rendre des comptes. » Ça aussi, il y a beaucoup de gens, bon, parmi les koufars, pourquoi Dieu fait ceci, etc. Bon, ils sont très impolis de manière générale, très orgueilleux et très, très irrespectueux du divin de manière générale. Mais le problème, c'est que cette croyance-là, vu qu'on vit ici avec eux, je vous dis la vérité, avec la télé, avec tout ça, ça se répand. Il faut que vous repreniez les musulmans, Inch'Allah, avec tact et sagesse, parce que sinon, si on agresse tout le monde, ils vont fuir. Mais il faut que, dès que vous entendez quelque chose de grave comme ça, reprenez toujours les gens, parce que ça, ce sont des propos, des idéaux, des façons de penser qui viennent des koufars. Mais ça se répand sur les musulmans qui massacrent, ils vivent avec eux. Et quand t'as pas la haine comme un bouclier qui fait que dès que t'entends un shirk, un kouf, une parole grave comme ça, oh, ça te choque et tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Si t'as pas la haine, t'as pas ça. Donc t'es perméable, le contraire d'imperméable. Imperméable, on sait ce que ça fait, ça empêche la pluie de passer. Perméable, bah, c'est que ça laisse passer la pluie, enfin pour un vêtement. Bah, toi, t'es perméable à toutes ces ambiguïtés-là et ces paroles-là. Donc voilà, il y en a très bien qui peuvent dire pourquoi Allah ceci, pourquoi... Ils questionnent un peu.
Tu ne questionnes pas, tu ne t'interroges pas Allah sur ce qu'il fait. Pourquoi Allah il a fait ceci, puis pourquoi ça c'est comme ça, et nanani, moi je trouve ça injuste, subhanallah. Donc, il y a le créateur, il y a les créatures. Nous on va t'interroger sur ce qu'on fait, Allah il va pas t'interroger. Hein. T'as pas à interroger Allah, savoir pourquoi peut ceci et cela. Tu peux demander, en termes de haine, à chercher à comprendre. Mais si ça c'est comme ça, donc Allah, machin, j'aimerais comprendre un peu. Ça c'est pas un mal, ça c'était pas un mal. Quoi. Il n'y a pas de shubha non plus. C'est pas un mal de questionner pour comprendre. Mais il y en a, c'est très hautain, très orgueilleux, très arrogant. Ouais, mais pourquoi Allah il a fait comme ci et comme ça, subhanallah, ça c'est grave. Ça c'est une mauvaise éducation due au fait de rester avec les koufars. Je pense que vous avez déjà entendu ça partout. Naam. Qu'Allah nous pardonne toute mauvaise parole qu'on dirait de manière inintentionnée. Et qu'il nous apprenne notre science. Question 154. Maintenant, quelle est la place de la foi au destin dans la religion, hein? L'imène au qadar dans din. C'est quoi sa place? La foi au destin est l'harmonie de l'unicité, donc du tawhid, au même titre que la foi au moyen. La croyance au destin, vous pouvez le noter, c'est l'harmonie, le duo parfait, entre le tawhid, donc la confiance en Allah, le tawhid, naam, avec la foi aussi au moyen. El-Asbab, le pluriel de, quand on dit, on fait le sebeb. Le sebeb, le singulier, esbeb, les pluriels. Les causes, la foi au moyen, aux causes. La croire au destin, c'est croire en Allah, se reposer sur Allah, bien sûr, avant toute chose. Placer sa confiance en Allah, à tawhid, mais faire les causes. Faire les causes. Celui qui se repose que sur les causes et ne se repose pas sur Allah est un égaré. Celui qui se repose que sur Allah sans faire les causes est un égaré. Pourtant, on pourrait peut-être dire, ah ben non, lui, il se repose que sur Allah, subhanallah, qu'est-ce qu'il a une grande confiance, c'est un égaré. C'est un égaré. Quelqu'un qui prend sa femme, son fils, sous le bras, qui fait aucune cause et qui part comme ça et dit « Ah, je fais la hijra », il va revenir très vite, bi'idhnillah. Et puis, il ne faut pas s'attendre à des choses comme ça, de « Yar, d'un palmier va me tomber une bourse et puis quelqu'un va m'héberger. » Déjà, si tu comptes que quelqu'un t'héberge, t'es un assisté. Allah, on n'aime pas les choses comme ça. Il faut que tu puisses subvenir au besoin de ta famille. Frère. Donc, les savants expliquaient, notamment pour la hijra, l'émigration, il faut faire les causes. Parce que c'est ça la sunnah. Le prophète a été interrogé par un bédouin ou quelqu'un, en tout cas je ne sais plus si c'est un bédouin ou autre, mais par quelqu'un du peuple comme ça, et lui a demandé, la personne lui a demandé, est-ce que je dois placer ma confiance en Allah ou attacher mon chameau? Est-ce que je dois placer ma confiance en Allah ou attacher mon chameau? Pour pas qu'il s'enfuit, parce que j'ai quelque chose à faire. Il a dit les deux. Place ta confiance en Allah et attache ton chameau. C'est-à-dire que Allah facilite-moi, fait qu'il lui arrive pas de problème, qu'il se fasse pas attaquer, qu'il s'enfuit pas. Tout en même temps, moi, j'attache le chameau. De même, quand tu sors de chez toi, tu récites verset du trône, c'est légiféré quand tu sors de chez toi ou autre. Il y a plein de choses à faire quand on sort, des invocations et autres, d'accord? Et donc tu places ta confiance en Allah en sortant. Mais je ferme la porte de chez moi. Je laisse pas grand ouvert avec un petit panneau en disant venez voler chez moi, allez-y. C'est open. Non, on fait les causes. On fait bien les causes. Et ben voilà, on fait toujours les choses comme ça. Je cherche du travail, je fais ma cause tout en plaçant ma confiance en Allah. Je cherche à me marier, j'invoque beaucoup Allah, je place ma confiance en lui, j'espère tomber sur une femme bien ou pour une sœur, un homme bien, mais en même temps, je fais les causes. Toujours la cause est liée au fait de placer sa confiance en Allah. Et les deux extrêmes, le fait de faire que les causes, beaucoup d'ailleurs en France, parce qu'on a été éduqués comme ça, la croyance en les causes, c'est tout. Il y a très peu de tawhid en France, très très peu de frères et sœurs. Je m'adresse au koufar, parce que eux, évidemment qu'il n'y a pas de tawhid, mais chez les frères et sœurs, tu vois très très peu de gens se reposer sur Allah. C'est la croyance totale en les causes. Ils font que les causes. Si je fais pas ça, j'aurai pas de travail. Comme une fois, encore une fois, le frère Yanis, il me disait, oui, mais machin, par rapport à la barbe, parce que bon, il y a une réalité, etc. Je disais, tiens bon, accroche-toi, place ta confiance en Allah, continue tes causes, mais tiens bon. Quand même, faut placer sa confiance en Allah pour le travail aussi. Tout en faisant les causes, bien sûr. Et il me disait, oui, mais voilà, s'il y en a qui disent, il y a des ambiguïtés qui lui étaient rapportées, miskin comme à nous tous, on nous met la pression. Si en gros, on se soumet pas voilà, au couf, donc à savoir raser la barbe notamment, et puis pas porter d'habit large ou autre, ou pas refuser de serrer la main, enfin bon, tout ce qu'on connaît, j'aurai pas le travail. C'est que la cause. Je me repose que sur la cause. Si je fais pas cette chose-là comme ci, comme ça, surtout dans le haram d'ailleurs, que dire du haram, j'aurai pas ce que je souhaite. Je n'aurai pas ce que je souhaite. Ça, c'est un égarement. Ça, c'est un égarement. Deux acharnés soir. Voilà. Donc,
voilà, d'être comme ça, fasciné par les causes et de penser qu'aux causes. Tout comme, je reprends toujours le même exemple, je cherche à me marier et je demande aux gens, oui, je demande aux gens, je fais passer le message. Mes sœurs, bah voilà, mes sœurs, mes cousines, les mamans, vous êtes tous au courant, bon, très bien. J'ai fait mes causes, j'ai fait mes petites causes, j'ai fait savoir que je suis une femme qui cherche à se marier. Si vous entendez quelqu'un de bien, de pieux, cherche à se marier, faites-le-moi savoir. Faites-le-moi savoir. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y en a après qui harcèlent les gens, demandent qu'aux gens, et ils oublient complètement Allah. Et tu lui dis, tu fais droit la nuit, notamment, et ça, tu demandes à Allah, t'es serein ou t'es sereine, t'as placé ta confiance en Allah, tu te sens bien. Et non, tu vois qu'en fait, elle est en panique. Elle s'inquiète constamment et elle harcèle les gens. Elle demande, alors, les gens ne veulent rien pour toi. C'est juste une cause, d'accord? Donc c'est ce juste milieu avec une, bien sûr, une plus grande confiance en Allah que les causes, mais les causes se doivent d'être faites. Mais juste à titre d'obligation, c'est Allah qui nous a obligés à faire des causes. Mais c'est tout, on ne se repose pas dessus, d'accord? Par exemple, j'ai déposé 10 CV, d'accord? J'ai été faire ma petite cause, je suis parti ce matin, très bien. Là-bas, voilà. Je rentre, en fait, j'y pense même plus à ma cause. Je l'oublie. Bon, on n'oublie pas, mais vous avez compris. Je n'y pense plus. J'ai déposé une graine dans la terre. Quand on dépose une graine dans la terre, on a fait la cause. C'est Allah qui fait qu'après, hein, quand on dit, dans une doa, Allah fait fendre la graine et le noyau. C'est Allah qui fait pousser, qui fait germer, qui donne la vie aux choses. De même pour les plantes. Mais j'ai mis ma petite graine. On n'est pas là à regarder, à penser à la graine, est-ce que ceci, est-ce que cela. De même pour un enfant. Vous avez un rapport. Ben on attend, puis hein, c'est Allah qui donne la vie, non, puis qui préserve l'enfant, on place notre confiance en Allah, on fait beaucoup de dora quand une femme est enceinte, pour qu'il atteigne son terme, pour que tout se passe bien, etc. Ben ça, pour ces choses-là, les gens en général, c'est un petit peu mieux. Mais pour les choses de la dunya, la quête de la dunya à proprement dit, les choses matérielles, ils ont plus de mal, ils ont beaucoup plus de mal. Tu vas pas être là devant le ventre de ta femme, mon frère, à dire tous les jours, bon la cause est faite, et la cause, je m'inquiète, et ceci et cela. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Il faut, après, une fois que la cause est faite, l'oublier et placer pleinement sa confiance en Allah, même avant d'ailleurs, mais vraiment après ne faire que d'invoquer. Invoquer, naam. Donc cette foi-là au destin est composée de ces deux choses-là, comme je viens de vous les décrire, hein, le tawhid et puis le fait de faire les causes, hein, amenant à son bien, forcément, amenant à un bien, ou empêchant un mal. Ça, c'est la loi divine à ce sujet, d'accord ? La religion ne sera harmonieuse et ordonnée que pour celui qui croit au destin, d'accord, et observe la loi divine. Ça aussi, c'est un point sur lequel je veux rebondir. Celui qui aura une défaillance ou totalement une ignorance pleine dans la foi au destin, il sera jamais serein, jamais tranquille, et encore une fois, en tête les koufars. Sauf que malheureusement, les koufars, encore une fois, je me répète, mais c'est toujours le même sujet, ont répandu leurs fausses croyances sur les musulmans, et la foi au destin correcte, très peu long. Très peu long, malheureusement. Et cette foi-là, au destin, elle est primordiale. Donc notamment, voilà, un tawhid fort, ancré, une bonne connaissance de la croyance, qui fait qu'on ne panique pas, et on se repose sur Allah, tout en faisant quelques causes, d'accord ? Bah ça, si la personne n'a pas ça, et elle n'accepte pas aussi la foi au destin, on l'a vu en long et en large, hein, avant, elle n'accepte pas les malheurs en disant « Qaddar Allah wa ma sha fa'al », les koufars ne disent pas ces choses-là. Quand il y a un malheur, vraiment, ils sont abattus, beaucoup plus que les musulmans qui ont une foi à ce niveau-là. Et puis la deuxième chose, observer la loi divine, donc se conformer aux ordres d'Allah. Celui qui se conforme aux ordres d'Allah, donc fait l'obligatoire qu'Allah lui enjoint, lui ordonne, puis s'écarte des interdits, puis à la fois pleine au destin, Inch'Allah, vraiment tranquille, il va mener une bonne vie, il va être serein, malgré les épreuves, etc. Il est sur la droiture, pratique le bien, il s'écarte du mal, et il a la croyance au destin. Les koufars ou les musulmans très égarés, ils font tout le haram, ils font pas le khir qu'Allah ordonne, et puis ils ont une croyance défaillante dans le destin. C'est pour ça que ça va pas. C'est pour ça qu'on voit les gens malheureux, voire même, mais là, les suicides et compagnie, ou les gens accros aux médicaments, ils sont très mal dans leur peau. D'accord ? Ainsi, le prophète a confirmé la foi au destin, puis à celui qui lui dit : ne nous appuierons-nous pas sur notre livre, donc ce qui nous est déjà écrit, et ne délaissons-nous pas les œuvres. Et il répondit, comme on l'a vu avant, œuvrez, car chacun sera facilité pour ce qu'il fut créé. D'accord ? On se doit d'œuvrer, encore une fois, ça on l'avait vu avant, même si tout est déjà réglé. Ainsi, quiconque renie le destin, sous prétexte qu'il est contraire à la loi divine, hein, prive selon sa croyance Allah de son omniscience et de son omnipotence, et du coup rend le serviteur indépendant de ses actes, créateur de ceux-ci. Ça aussi, c'est déterminé. Et je l'ai expliqué dans le lien que je vous ai donné concernant les dérives sectaires. Alors, ceux qui pensent comme ça, pour ceux qui veulent plus de détails.
Bien plus, celui-là, il aura affirmé que toutes les créatures sont des créatrices. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est ceux qui disent qu'on a que, yani, le libre arbitre et qu'on crée nos actes. Les qadariyas, les qadarites. Ils nient le destin. Il n'y a pas de qadar. Il n'y a pas Allah, il a tout fait. C'est nous, on fait les choses. D'accord ? Ça, parmi aussi les mu'tazilites, les mu'tazilas, ceux qui prétendent que le serviteur crée ses actes, bons et mauvais, et qu'Allah est donc exempté de cela. Donc le mal, hein, ne lui est pas attribué, car s'il crée l'injustice, il serait injuste selon eux. Mais Allah, il est au-dessus de ce qu'ils disent. D'accord ? Ça, tout ce qui est l'histoire de Mu'tazila, Qadariya, etc., avec même des différents types, il y en a trois types de Qadariya, etc., tout ça, c'est dans le lien que je vous ai envoyé là, juste au-dessus. Donc, vraiment, je vous conseille de l'écouter vraiment attentivement, d'accord, pour comprendre ce point-là. En revanche, quiconque confirme le destin, ou qui dit il y a bien le destin, il y a bien le Qadar, mais en contestant et combattant par celui-ci la loi divine, donc à savoir, je fais ni le bien, ni le mal, ni... Je m'en remets qu'au destin, comme certains soufis, hein, ou comme les Jabriya, les fatalistes, hein, les disciples de Jarm ibn Safwan. D'accord ? Les Jabriya. Ici, ils sont aussi cités dans le lien que je vous ai envoyé. Donc, ceux-là, ils se reposent totalement sur Qadar. C'est l'inverse des Qadariya. Il y en a qui le nient le destin, ça c'est les Qadariya. Et les Jabriya, eux, carrément, ils disent il n'y a que le destin. Il n'y a que le destin et il n'y a pas d'action, je suis responsable, je suis responsable de rien, je n'ai aucune capacité, d'accord ? Donc c'est ceux qui confirment le destin en contestant et combattant par celui-ci la loi divine, d'accord ? Il n'y a pas d'autorisé, d'interdit. En reniant donc la capacité, le libre choix qu'Allah a accordé au serviteur et par rapport auquel il a rendu l'homme responsable. Nous sommes tous responsables, prétextant qu'Allah a chargé ses serviteurs de ce dont ils sont incapables. Encore une fois, ce sont des mauvaises qualifications et pensées envers Allah. Non. Comme le fait de charger un aveugle de mettre les points sur les lettres du Coran. Celui-là attribue à Allah l'injustice, d'accord ? Donc ce sont, en tous les cas, deux sectes égarées, d'accord ? Et donc, ces Jabriya, ils prétendent donc que l'homme n'a aucun pouvoir, hein, il est caractérisé par aucune capacité, il est contraint quant à ses actes, tout comme un instrument, c'est un pantin, selon eux. Il n'a ni pouvoir ni choix. Allah crée les actes en lui comme tous les objets inanimés. Les actes lui sont attribués au sens figuré, comme tout objet inanimé. On dit l'arbre a porté ses fruits, la pierre a bougé, le soleil s'est levé, même s'ils n'accomplissent pas l'action en réalité. Ils disent aussi que la récompense et le châtiment sont déterminés comme les actions. L'homme est donc contraint à ses actes. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. Donc celui-là, il aura pris comme modèle Iblis. Ceux-là sont des partisans d'Iblis. Hein ? Qu'Allah le maudisse, car il a dit... Puisque tu m'as mis en erreur, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Sourate 7, verset 16. Ça, c'est Iblis qui dit ça, hein, quand Allah Azzam fait, fait parler Shaitan, dans le sens cite Shaitan, c'est la parole d'Allah, hein, mais cite Shaitan en disant, puisque tu m'as mis en erreur, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Shaitan, il dit, c'est toi, c'est ta faute, Allah, si j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Donc, ces gens qui ont cette croyance-là sont les partisans d'Iblis. Non. Quant aux vrais croyants, c'est ce qui nous intéresse, parce que les citer les égarements, c'est bien, mais après, faut pas que ça vous disperse, Inch'Allah. Faut pas que ça vous disperse. Tout ça, ce sont des mauvaises choses. Mais je vous les cite, parce qu'à notre époque, on a plus que ce que vous pensez, qui ont des ambiguïtés comme ça, des croyances pareilles. Quant aux vrais croyants, ils croient au destin. Ils croient au destin, bon ou mauvais. Et qu'Allah a créé tout cela. Et ils se soumettent à la loi divine dans ses ordres et interdictions. Et la prennent pour juge, tant en secret qu'en public. Ces croyants-là, ils croient de même que la guidée et l'égarement sont entre les mains d'Allah, qui guide qui il veut par sa grâce et égare qui il veut par sa justice. Et il est le meilleur connaisseur de ce qu'il atteint par sa grâce et par sa justice. Ça, c'est la croyance authentique. D'accord ? La croyance authentique. Croire au destin, bon ou mauvais, d'accord ? Qadar Allah, Allah, il a créé tout cela. Je me soumets aux ordres et je m'écarte des interdictions, d'accord ? Et je prends pour juge la religion, tant en secret qu'en public, et en la guide et égare qu'il veut. Voilà en résumé la croyance authentique concernant le destin. Le verset 30 de la sourate 53 nous synthétise tout ça. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement celui qui est bien guidé. Il, Azzawajal, a dans cela la parfaite sagesse et l'argument décisif. Les vrais croyants ont également la conviction que la récompense et le châtiment sont la conséquence de l'observance ou non de la loi. Hein ? Et non la conséquence du destin. D'accord ? Il y en a,
Ils vont se réfugier toujours derrière le destin. Si c'est ça, c'est souvent ça, mec tout pour tout. Mais il se réfugie derrière cela. Mec tout, il fait que du mal, mec tout. Non. Tu te dois d'observer le bien et t'écarter du mal, d'accord ? Donc si tu es récompensé, c'est parce que Bi'idhnillah, tu fais le bien. Certes, dans Allah, comme on l'avait déjà vu, certes, c'est le destin, d'accord ? Mais parce que aussi dans ce destin-là, hein, tu as fait des causes menant au bien. Donc la conséquence, c'est la récompense. Si c'est le châtiment, c'est la conséquence des mauvaises actions. Très logique. Par contre, d'accord, le croyant, il se console. Par contre, les vrais croyants se consolent par leur croyance au destin lorsqu'ils sont atteints d'un malheur. C'est la différence. Quand ils sont en mesure d'agir dans une... ce soir par exemple, je décide là de faire un gour, Inch'Allah, de faire du rire, etc. Donc je m'appuie sur le libre arbitre, etc. Hein? Certes, tout est écrit de manière générale, bien sûr. Mais là, je suis en mesure de faire les choses. J'ai un pouvoir d'action, comme on l'a vu avant. Bi'idhnillah. J'ai un pouvoir d'action, bi'idhnillah. Donc qu'est-ce que je peux faire ma soirée? Je vais en boîte de nuit ou je fais un cours? On va prendre ces deux exemples-là. Bon, moi je dis ce soir, je fais un cours. Donc je dis que je prends la voie du bien, je chemine vers le bien. Donc Inch'Allah, j'attends la récompense. D'accord? Tandis que si je fais un acte de mal, faut craindre le châtiment. D'accord? Ça, c'est quand je suis en mesure d'agir. Maintenant, quand un malheur arrive, les vrais croyants se consolent en disant « Qadarallah wa ma sha fa'al ». Je pouvais rien faire. Je me console. C'était le destin. C'était écrit. Il arrive un malheur, je suis pas là. Je me réfugie derrière le destin quand il arrive un malheur. Pas pour me priver de faire le bien ou pour me justifier de faire du mal. Vous comprenez la nuance? Ça aussi, notez-le en rouge, Inch'Allah. Le vrai croyant, Sunni Salafi, il se réfugie derrière le destin quand un malheur le frappe en disant « Qadarallah », c'était écrit. Je pouvais rien faire. Donc ça aide. Un tel a eu un accident, qu'est-ce qu'on peut faire, d'accord? Par contre, quand là je suis en mesure de réfléchir à ce que je vais faire, demain ou ce soir, d'accord, ou dans 5 minutes, je me réfugie pas derrière le destin en disant, de toute façon, je vais forniquer, Qadarallah, c'était écrit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais le bien, Inch'Allah, ce sera Qadarallah. Fais du mal, t'inquiète pas que tu seras châtié, même si c'est Qadarallah aussi. Tu as ton libre arbitre au moment où tu agis. Est-ce que vous avez compris la nuance? C'est très 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 important. Ainsi, lorsqu'ils sont guidés à faire une bonne œuvre, ils reconnaissent le droit à celui qui le détient. Et donc, ils remercient Allah. Ils sont pas ingrats. Ils sont reconnaissants, na'am, envers celui qui leur a permis de faire cette bonne action. Et je remercie Allah de me permettre de faire ce cours-là, par exemple. Le verset 43 de la sourate 7. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Ah, le vrai musulman, il parle comme cela. D'accord? Et ils ne disent pas comme les pervers, pour le coup. Ah, et le pervers, ici visé, est un nid. C'est Qarun qui s'est conduit en tyran à cause de ses biens, même s'il faisait partie des proches de Moussa. Hein? On raconte que c'était son cousin, mais ce lien ne lui profitera point lorsqu'il devint hypocrite. Et donc le verset qui dit cela, dans Sourate Al-Qasas 28, verset 78. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. D'accord? Ça, pervers n'a rien ni, et on en voit aussi encore beaucoup aujourd'hui. Ils font un bien, ils sont très imbus d'eux-mêmes. C'est moi j'ai fait comme ça. C'est grâce à moi, c'est grâce à mes facultés, c'est parce que je possède quelque chose, c'est pour ça que je fais ceci. Non, le croyant, Inch'Allah, le musulman soumis, humilié, quand il fait un bien, il dit « Allah m'a permis de faire cela, je n'ai aucun mérite ». Ça aussi c'est un dalil, c'est une preuve qu'on voyait quelqu'un, est-ce qu'il est des gens de l'égarement, ou en tout cas, il a un gros problème à ce niveau-là, s'il a des paroles pareilles, d'accord ? Moi j'ai fait ci, etc. Tu n'entends jamais dire « Louange à Allah, alhamdoulilah, c'est bi'idhnillah que j'ai fait cela ». Toutes les louanges appartiennent à Allah, moi je ne suis rien, d'accord? Je suis très honoré d'avoir été choisi comme cause pour faire ce bien. Parce que c'est juste ça, en vérité. C'est Allah qui t'a permis de faire un bien. Allah m'a rajouté des hasanat par sa grâce en me permettant de faire cette bonne action, d'accord? Ça, c'est le vrai musulman. Quant à celui qui dit « moi je », non, ça, lui, c'est un égaré, d'accord? Et lorsqu'ils commettent un péché, les croyants, ils disent, comme dire les parents, donc Adam et Hawa, « Ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » D'accord ? Ça veut dire qu'ils se repentent, ils ont honte, ils regrettent, ils reconnaissent leur faute. « Je fais un bien, en résumé. Merci, Ya Allah. Ya Allah, merci. Merci, Seigneur, tu m'as permis de faire ce bien. Je fais un mal, pardonne-moi, Ya Allah. Tu me permets de faire tout le bien, et je suis responsable de tout le mal. » C'est pour ça que, Inch'Allah, quand il y en a, ils font des prêches ou autres, ou des cours ou autres, c'est des formules qui sont bien à dire. Allahu a'lam wa ahkam, par exemple, c'est-à-dire seul Allah sait et juge. Naam, Allahu a'lam wa ahkam. Si j'ai fait un khair
c'est par cela que je dis du bien, c'est Allah qui m'a facilité. Et si j'ai dit du mal ou fait du mal, c'est, ce n'est que par la pression de mon nefs et de shaitan. Vous entendez ça souvent, Inch'Allah. Bah voilà, ça résume tout à fait cela. Hein, si je fais du mal, c'est mon nefs et shaitan. Si je fais un bien, c'est Ednella. D'accord? Donc voilà, au Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc repentons et ils regrettent. Et ils ne disent pas les croyants comme shaitan. Ils ne disent pas comme shaitan, à savoir, Seigneur, puisque tu m'as mis en erreur. D'accord? Il dit que c'est Allah qui lui a fait faire ça. Donc ils n'acceptent pas en fait un châtiment sur eux. Non, il ne va pas être accepté d'être châtié ou quoi que ce soit par rapport au fait qu'il fornique. Allah, tu m'as mis dans la fornication, il va dire. Ils vont dire des choses comme ça. Non, c'est toi qui as été né là, bien sûr. Dans la volonté universelle, c'est toi qui as été ton libre arbitre de mettre dans cette panade de la fornication, tout seul. D'accord? Donc tu es responsable. Et lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent: nous sommes certes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. La formule bien connue, verset 156, Sourate Al-Baqarah, Sourate 2. Nous sommes certes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et notamment ça quand il y a un décès. Non. Mais aussi quand il y a des choses étonnantes, quand il y a des choses dures hein, à encaisser. C'est pas que quand il y a un décès. Ça aussi, c'est bon à savoir. Il y en a, ils le disent que quand il y a un décès, quand il y a un défunt. Non. C'est pour toutes choses comme ça, des événements malheureux. Et ils ne disent pas comme les koufars, est-ce que vous sautez un truc? Et ils ne disent pas comme les koufars, Sourate 3, verset 156. Qui dire à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ça aussi, cette parole, si, on le voit. Un tel, il a eu tel truc là-bas, il s'est fait tuer. Ah, s'il n'avait pas fait ceci et cela, il n'aurait pas eu ça. Non, le croyant, il ne dit pas ces choses-là. D'accord? Nous sommes certes Allah et c'est à lui que nous retournerons. Qadar Allah wa ma sha'a. C'était comme ça. Et pas comme eux, ils disent, voilà, s'il n'aurait pas été là-bas, s'ils étaient chez nous, ils n'auraient pas été tués. Bon, par rapport à ceux qui étaient partis faire le jihad. Non, partis combattre. Ah bah s'ils étaient restés, il n'y aurait pas eu. Subhanallah. Et le terme il est fixé pour chacun. Ça c'est encore un égarement déjà dans la parole. Et en plus dans la croyance au décret, au terme. Le terme, le décret de chacun, il est fixé. Ah, s'il n'avait pas été là-bas, il n'y a pas de si. Là-bas ou ailleurs, c'est pareil. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette femme, je crois que c'était au Brésil ou quelque chose comme ça. Elle loupe son avion. L'avion, il explose en vol. Subhanallah. C'était pas son heure, tout simplement. C'était pas son terme. Le lendemain, elle prend une voiture pour reprendre un nouveau vol. Elle a un accident de voiture, elle est morte. Qadarullah, il n'y a rien à faire. Donc, quand c'est pas le moment, vous comprenez? Ah, les gens, c'est encore les croyances des koufars, ça. Ça, c'est les croyances des koufars, de toute façon, comme c'est cité dans le livre. Non. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'était pas parti là-bas, et ils n'auraient pas eu ça, il n'y a pas de tout ça. Il y a Qadar Allah, il y a nous sommes certes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Non. Oui, aussi, je précise, l'admin n'est pas disponible pendant, je pense, un ou deux cours, ou trois, ou je ne sais pas combien de temps. M'a prévenu, donc il n'y aura pas de questions-réponses d'ici là. Il n'y aura pas de questions-réponses d'ici là. Si vous avez une question de toute manière, n'hésitez pas à contacter sur Insta. Pour ceux qui l'ont, je pense que la plupart des gens qui sont ici ont l'Insta. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer une question en privé sur Insta si vous en avez une, il n'y a pas de souci. Là sur le Pal Talk, là, ils vont être annulés pendant 2-3 cours. Ça, et là, on va faire une challenge encore. Encore deux questions, Inch'Allah. Encore deux questions. Et aussi, je voulais dire que je vais faire un audio, Inch'Allah, sur un sujet, Inch'Allah, qui vous intéresse. Enfin, c'était dans mes idées de sujets à traiter, mais c'est vrai qu'une sœur m'a aussi pas mal questionné à ce propos, et du coup, j'ai réuni quelques trucs, et j'aimerais en parler, les waswas. Les waswas, très rapidement, ils savent très bien ce que ça veut dire, c'est les insufflations. Les murmures de Shaitan, les insufflations sataniques, comme on dit ça. Il y en a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les tocs, les obsessions, les doutes. Donc, c'est des gens vraiment qui répètent les choses, etc. Et ils savent plus si on fait les ablutions, mais c'est pas une fois, quoi. Et 30 fois à refaire le londo, c'est dingue. Il y a les waswas de kufr également aussi. D'accord? Ils ont des phrases incessantes comme ça, horribles, qu'ils n'oseraient même pas prononcer. Pareil, ils doutent, etc. Ils se prennent pour... Ils, pas de...
pas d'amour propre, ils se détestent, ils se considèrent comme des couffards, c'est des waswas, tout ça, toute la négativité en fait, c'est vraiment que toujours du négatif, toujours des choses négatives. Bon bref, j'aurais voulu traiter ce sujet-là, Inch'Allah, de manière assez complète, en ramenant la description complète, après les remèdes, les conseils, les choses à faire, à ne pas faire quand on est atteint de waswas. Donc ça vient de Shaitan. Et la solution, en bref, là, pour ceux qui voudraient une réponse immédiate, pour toutes ces insufflations, c'est ne pas en tenir compte. Car vous savez que c'est un waswas. Toi, t'es pas un kafir, mon frère ou ma sœur, puisque t'écoutes le cours et que tu fais ça là. Donc arrête de dire, peut-être je suis kafir, peut-être je suis kafir, peut-être je suis kafir. Il y en a, ils restent comme ça, des jours et des nuits. Peut-être je suis un kafir, subhanallah, je suis un hypocrite. Si t'es un hypocrite, comment tu vas te dire, est-ce que je suis hypocrite? Tu t'intéresses à savoir, qu'est-ce qu'il en est de mon cas? Ça, c'est pas signe d'être un hypocrite. Tu te lèves pour prier, subhanallah, tu fais l'odo, tu jeûnes. Tu dis la science et tu dis, je suis peut-être un hypocrite. Ça, c'est shaitan. Au contraire, t'as la foi, regarde où t'en es. Donc ça, il faut de la raison. Mais quand les gens sont malades, parce que c'est une vraie maladie, ou SOS, ils doutent de tout, ils ont. Voilà. C'est toujours ces paroles-là qui ressortent en général. Eh bien, le seul remède, c'est de ne pas en tenir compte. Placer sa confiance pleine en Allah. Alors, il y aura un tas de conseils, les doigts, les choses, les autres. Mais c'est ne pas en tenir compte. Parce que c'est infondé. Ça n'a aucun sens, le waswas. C'est juste un acharnement de shaitan qui veut vous déstabiliser. Et c'est ceux qui, en général, ont une faiblesse dans le caractère ou dans la foi. Ils sont comme ça. Il faut être fort. Shaitan, il te dit ça, t'analyses la chose, et non, ça n'a aucun sens. Subhanallah. Je sors de la salle d'ablution, je viens de faire l'odo, et je ne suis pas encore complètement sénile. Alhamdoulilah, je sais ce que j'ai fait. Toute ma tête, alhamdoulilah. Donc, j'ai fait l'odo. Il te sort, il dit, t'as pas fait l'odo. Khalas, tu vas prier, tu rentres dans la salle de prière, tu pries. Et il te dit, t'as pas fait l'odo. J'ai fait l'odo. Khalas. Et si tu lui obéis une fois, ça deviendra après comme ceux qu'on a peut-être eu dans leur vie, des phobies. Ça deviendra, Inch'Allah, comme des phobies. D'accord? Si, Yarni, tu lui donnes cette victoire une fois, deux fois, trois fois, etc., 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 après, il te lâche plus. Hein. Après, tu n'auras jamais fait l'odo dans ta tête. Alors, tu viens de faire l'odo. C'est le piège dans lequel la sœur est tombée. D'accord? Concernant l'odo et autre chose, etc., etc. Bon, après, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais des choses similaires. Une fois que t'es là-dedans, c'est très dur de s'en sortir. Parce que dès le début, t'as pas mis le verrou. Tu dis, t'as pas fait l'odo, t'as fait l'odo. Tu sais très bien ce que t'as fait. D'accord? Sinon, après, voilà, je vous dis, ça devient comme une phobie. Tu peux plus t'en passer. Tu ne peux plus t'en passer. De cette idée-là, je parle en tout cas. Comme celui qui, à la base, va dans la rue, tout ça, et puis je sais bien de quoi je parle, puisque je l'ai été, l'agoraphobie. J'étais malade de nombreuses années. Ça, c'est clair, c'était des waswas chez Shaitan qui jouait avec moi. J'allais où je voulais pendant X années, puis d'un coup, tel endroit, ça me faisait peur. Sans raison, hein. C'est pas des gens qui me faisaient peur. C'est pas envie de là. Moi, j'aime pas la foule, moi, là-bas. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. J'aime pas la foule, j'aime pas le bruit, j'aime pas trop de lumière, tout ça. Les magasins, Leclerc, un samedi après-midi, papa, c'est pas pour moi. Musique, lumière, gens, tout ça, foule, moi, ça me fait tourner la tête. Ça, c'est pas une maladie. C'est au contraire, c'est sain. On n'est pas fait pour vivre dans des endroits pareils. J'aime le calme. Jusque-là, alhamdoulilah, y a rien de mal. Mais quand? C'est sortir dans la rue. Moi, ça amenait à un point où, voilà, tel endroit, je pouvais plus y aller. J'ai donné ça. J'ai donné cette victoire à Shaitan à ce moment-là. Il a dit, ok, il a gagné. Après, il a réduit le périmètre. Je peux plus aller là. Jusqu'à la fin, tu peux plus aller nulle part. Tu restes que chez toi. Et il y a des gens, moi, alhamdoulilah, Allah, il m'a secouru et sauvé et guidé. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont agoraphobes. Ils restent dans leur maison. Non, mais, Ajib, je sais pas si vous imaginez, ils ne font rien. Rien. Ils peuvent pas prendre la voiture pour aller là-bas, je peux pas aller dans tel lieu, je peux pas. Il y a une différence entre lutter, ne pas aimer la foule, etc. C'est toujours mon cas aujourd'hui, mais comme beaucoup de gens, moi j'aime pas, j'évite certains lieux, mais ça c'est pas un évitement maladif, c'est j'aime pas trop. Mais s'il faut y aller, quoi, à un moment donné. Voilà, un jour de marché, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose au marché, je vais au marché, chercher ce que j'ai à chercher. Je suis pas très à l'aise, mais j'y vais. La phobie, c'est quand il y a un blocage, tu dépasses pas le truc. C'est pas une gêne seulement. La gêne, on peut le ressentir sur plusieurs choses. Ma mère, c'est pareil, elle est malade de rien du tout, si ce n'est de son couffre, qu'elle a la guide. Elle est malade de la mécréance. Ça, c'est sa grande maladie. Mais elle n'est pas, vous voyez, elle n'a pas les maladies psychologiques comme ça, à se dire non. Pourquoi? Bah, déjà, parce que c'est une mécréante. Vous voyez peu de mécréants en général qui ont des. Enfin, il y en a qui en ont, mais la plupart, c'est les croyants. Shaitan s'acharne sur eux, parce qu'il y a la foi à détruire. Shaitan, il ne s'attaque pas à un cœur en ruine, d'accord? Et donc, pas ces soucis-là. Mais elle n'empêche que même elle n'aime pas Ikea, par exemple. Elle voulait à Ikea l'autre jour, elle a vu le monde sur le parking, elle a fait demi-tour directement. Tu lui dis, t'es pas parti? Elle me dit non. Et je dis, pourquoi? Moi, je sais, je mets pas les pieds à Ikea. C'est un film, je mets pas là-dedans. Mais elle me dit, non, il y a trop de monde.
Tu dis, bah, t'es malade aussi, non? Non, non, mais j'aime pas. Voilà, vous comprenez? Donc ça, il n'y a pas forcément besoin d'être malade. Mais quand ça devient maladif, c'est quand vraiment il y a l'état de phobie. Tu ne peux pas. Et des fois, des choses bêtes. La rue, il n'y a presque personne dehors. Il ne peut pas aller dans la rue. Il s'est mis une barrière. Et Shaitan, il a joué tellement sur le West-West que plus jamais il va le dépasser. Allah Alem. Mais en tout cas, ce n'est pas au programme. Vous comprenez? Wallahi, j'ai tout essayé. Des années comme ça, malade. Jusqu'à un moment où j'ai appris le tawhid. Tout simplement. Le tawhid, et après, j'ai dit, c'est juste un West-West qui m'empêche de vivre. Donc je le conseille à cette sœur qui est dans la room, que pour préserver son honneur, etc., et pas la gêner, je ne donnerai pas son nom, mais c'est une sœur qui est connectée à chaque cours, Naam. Et donc, il faut qu'elle la guérison, elle est là au bout de tes yeux, quoi. C'est quand il va dire, le West-West, il n'existe pas. C'est juste lui qui joue avec moi. J'ai fait l'odo, ah, je vais prier. Pourquoi je me pourris la vie? Et c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Avec ça, il joue avec moi. Et là, j'ai dit, en fait, j'ai pas de science. J'ai pas de tawhid, j'ai pas de confiance en Allah, j'ai rien. Comment j'écoute moi Shaitan à chaque fois qu'il me dit ceci et cela? Ah, si tu sors, il va t'arriver ceci et cela. Quand j'ai appris le tawhid, j'ai appris ce que ça voulait dire, qu'Allah dans Allah. On y est. Le pire, c'est que je parle de ça, du wissawis. Mais c'est très bien parce qu'on y est dans la foi au destin, ce qu'on voit ce soir. On est en plein dedans. Quand j'ai compris qu'Allah dans Allah, arrivera ce qu'arrivera, arrivera, tout est écrit. Il va m'arriver telle chose si je vais là-bas. Vous comprenez? Mais pas plus que si je reste chez moi, il peut m'arriver des choses aussi là, ou en allant juste à la maison d'en face. Vous comprenez? Ah, si tu vas. Les phobies, les agoraphobes, ils ont des périmètres comme ça, assez étranges. Assez très étranges. Il peut aller à 2 km, mais pas à 2 km 200. Ajib, subhanallah. Ça, ceux qui ont été agoraphobes le sont, parce qu'il y en a, ils le disent pas. C'est un peu honteux, ces choses-là. En général, les gens ne le disent pas. Mais plus que vous ne pensez, les agoraphobes autour de vous, ou si vous en connaissez, ben, c'est ça, en fait. Voilà, 2 km, le périmètre, c'est bon. Alhamdoulilah, je vais bien. Il va 2,5 km, subhanallah, il est mal, il va s'évanouir. Wallah, c'est pas des blagues, hein. Palpitations, tête qui tourne, il voit presque plus rien. Ah non, il y en a, ils sont même tombés dans les pommes. Franchement, il y en a, c'est West West, ça y est, il a pris le dessus. C'est insensé, c'est un non-sens. Quand j'ai appris, quand j'ai regardé ça à la loupe, je me suis dit, c'est vraiment ridicule. J'ai dit, stop, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Je leur dis, je peux vous faire 300 km, j'ai pas plus de problèmes que si j'en avais fait 3. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et ça, c'est la guérison, c'est pas les psychologues, c'est pas les psychiatres, c'est pas les médicaments, c'est pas tout ça. C'est l'apprentissage méticuleux du tawhid. Et vraiment placer sa confiance en Allah. Et quand t'apprends, bah, justement, le livre, là, le bouquin qu'on voit ensemble, ah d'accord, quand dans Allah tout est écrit. Donc quand Shaitan me dit, si tu vas à 34 km, tu vas être très loin de chez toi, comment tu vas faire pour revenir si t'arrive tel ou tel mal? Je lui réponds, bien sûr, dans ma tête, pas de dialogue, mais. Instinctivement, je réfléchis, je me dis, il m'arrive quelque chose aussi, qu'est-ce que je fais? Si tel est mon destin, si tel est le qadar, si tel comme ça est écrit, et puis je place ma confiance en Allah, je dis, Allah va me préserver, et puis je fais le dhikr. Les gens en général à dans le West-West font peu de dhikr. Ça aussi, on va le voir, Inch'Allah, dans l'audio. Peu de dhikr. Peu. Parce que, justement, la personne atteinte de West-West, ça doit vraiment être constamment la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nombreuses fois, énormément. Pour combattre ma phobie à l'époque, parce que ma phobie c'était un West-West. Ni plus ni moins. Donc la sœur qui a le West-West là, ou vous qui avez un autre West-West, que ce soit le couf, que ce soit l'odo, que ce soit un tox, n'importe quoi, eh bien il faut te guérir avant tout, d'accord? Il faut te guérir, il faut t'analyser, et il faut que tu fasses du zikr. Hein. Il faut que vraiment tu te rapproches d'Allah en fait. Hein. D'accord? Donc c'est en apprenant toutes ces choses-là, d'accord, que je me suis pris en main, et qu'à chaque fois, par exemple, que je devais sortir, bah, je faisais je ne sais combien de fois le dhikr. Et je me sentais protégé. Et c'était pas qu'une sensation. Mais il n'est là, je l'étais. D'accord? Mais il n'est là, je l'étais. Je faisais les causes pour. Mais ça vient par l'apprentissage. Quelqu'un atteint le West-West. Déjà qu'à l'islam, c'est dur. Mais qu'il n'y a pas l'islam, il fait comment? Très très peu d'islam. Aucune science, rien du tout. Quand je veux dire pas d'islam, c'est vraiment très très peu de science islamique plutôt. Il fait comment? Il sait pas faire le dhikr, il sait pas ceci, il est dans les péchés. Les péchés, c'est pareil, ça n'amène rien de bon. Tu fais les péchés, c'est pas comme ça que subhanallah, Shaitan va s'écarter de toi, vous comprenez? Donc il y a des sœurs comme ça, ou des frères, les écouteurs sur les oreilles, ils rigolent avec ses copains, ses copines, ils s'étonnent d'avoir des West-West, il fait pas dhikri, subhanallah, il prie pas à l'heure, vous comprenez? C'est normal que tu sois, subhanallah, il veut t'éduquer, tu vas souffrir. Je pense que j'ai souffert un temps parce que justement, j'étais peut-être pas dans la bonne voie. Peut-être, c'est sûr, j'étais pas dans la bonne voie. D'accord? Ça, c'est une exhortation à vous tous si vous souffrez des West-West, on en a tous. Comme ça. Je parle du West-West maladif, là, on est d'accord. Je parle du West-West maladif, là. Pas le petit West-West comme ça,
du croyant, à savoir, il commence sa prière et puis Shaitan lui dit, ouais, Allah, il n'existe pas, pourquoi tu pries? Ça, c'est tout le monde et c'est un signe de foi excellente. Si tu as ça, c'est mashallah. Ça, c'est mashallah, comme le prophète a répondu à ses compagnons. Là, vous comprenez? Il n'y a pas de mal. C'est léger. Il dit, ah, vous dans la gym à la rigueur, où tu craches à trois fois, comme ça, ça passe. Il n'y a pas, c'est pas à vous que je m'adresse. On en a tous. Wallahi. C'est vraiment celui qui en souffre, qui est malade, qui pleure. Bah voilà, il faut s'écarter des péchés, comme j'avais dit à la sœur, faire le khair, bien s'accrocher à Allah Azzawajal, bien connaître la foi, le qadar, bien connaître les choses, le terme fixé, etc. Et Shaitan, tu balayes tous ces ouest-ouest, toutes ces ambiguïtés hyper faibles. Et je suis convaincu que si tu fais ça, tu te prends par la main comme ça et tu dis, bon allez, stop, c'est fini, khlas, c'est qu'une mauvaise pensée, tu fais ton oudou, tu vas prier normal. C'est fini, Shaitan n'a plus d'influence sur toi. De même que la personne malade qui n'arrive pas à franchir le bout de la rue. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi elle peut aller à 300 mètres, mais pas à 400. Quand elle va franchir, elle va faire. En fait, c'était une barrière invisible, quoi. Et la plupart des barrières psychologiques, comme ça, ça vient du ouest-ouest. Il y a des maladies, certes, sous-jacentes, des fois, des vraies maladies organiques. C'est-à-dire, une chose qui n'a pas à voir avec le mal occulte, ça existe, comme on dit les savants, mais la plupart, c'est lié au mal occulte. Et ça, c'est ignoré, les koufars. Bien évidemment, ils ne l'acceptent pas. D'accord? Donc, pour tout cela, c'est sûr que. Voilà, vu que les koufars n'acceptent pas toutes ces choses-là, il faut se débrouiller ça. Il ne faut pas aller chercher des remèdes chez eux ou leur expliquer quoi que ce soit. La plupart du temps, ça vient du West-West. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées par rapport à cela. D'accord ? Et voilà, par rapport à cette exhortation-là. J'en ai déjà fait une bonne partie de l'audio. Je ne sais même pas si je ne vais pas le couper. Parce que j'ai donné pas mal de bons conseils aussi. Inch'Allah, je le couperai, je le rajouterai dans l'audio que je veux faire. Mais voilà ce que je compte mettre en ligne. Et puis, du coup, là, on va voir encore. Inch'Allah. On va voir, Inch'Allah. Deux questions. Combien sont les branches de la foi? Shuhab al-Iman. Allah Azzel dit dans la sourate Al-Baqarah, au verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et de donner son bien, et de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les pieux. Fin du verset. Ici déjà même, une grande réfutation à l'ambiguïté. Enfin, ce n'est même plus une ambiguïté. La foi, c'est dans le cœur. Ah bon, la foi, c'est dans le cœur. Je vois plein d'actes, moi. Croire en ceci, faire cela. On voit clairement ça. Il y a ceux qui disent, ouais, mais la foi, c'est dans le cœur. Tu lui donnes le verset 177 de la sourate Al-Baqarah. Subhanallah. La bonté pieuse consiste à ceci, 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 ceci. Il y a plein d'actes. Comment la foi, c'est dans le cœur? Subhanallah. Non. Ah, la fille, elle a une foi forte. Elle prie? Non. Elle se voile? Non. Elle a une foi forte. Et elle se traduit où sa foi? La foi se traduit par des actes, on l'a vu dès le début du livre, là, dans les premiers cours. Le prophète sallam a dit « La foi comporte 60 et quelques branches. » Et selon une version, 70 et quelques branches. La plus élevée est de dire « La ilaha illallah ». Dire avec, on l'a vu avec les conditions, hein, donc, la pleine connaissance, hein, et tout ce qu'on a vu, toutes les conditions, la conviction et la mise en application, etc. Donc là, la plus élevée est de dire « La ilaha illallah » et la plus basse est dotée du chemin, ce qui cause du tort. Enlève un bâton ou quoi que ce soit. Et la pudeur est l'une des branches de la foi, rapportée par Al-Bukhari ou Al-Muslim. Là. Voilà, concernant les branches de la foi. Question 156. Comment les savants ont-ils interprété ces branches? Un groupe de commentateurs de Ahadith les ont recensés et ont écrit des ouvrages à leur sujet, en faisant un travail excellent et profitable. Ceci dit, savoir les dénombrer n'est pas une condition à la foi. Il n'y a pas besoin que tu connaisses toutes les branches de la foi. Non. Il suffit plutôt d'y croire d'une manière globale. Donc je dis, je crois en toutes les branches de la foi, de manière globale. Tout comme je crois en tous les messagers, même si je ne les connais pas tous. Je crois en tous les messagers, tu dis. Donc pas une condition à la foi. Il suffit plutôt d'y croire d'une manière globale. De plus, elles sont toutes regroupées dans le Coran et la Sunna. Donc il incombe aux serviteurs de se conformer aux ordres contenus dans ces deux sources. Je fais ce que m'ordonne le Coran et la Sunna. Et j'évite les interdictions, l'âme, du Coran et de la Sunna, car d'éviter les interdictions qui s'y trouvent et de croire aux informations qu'ils nous fournissent. Ainsi, le serviteur aura complété les branches de la foi. En outre,
Tout ce que les savants ont recensé est vrai et fait partie de la foi. Mais affirmer avec certitude que cela vise le prophète Aïssa-Salem par ce hadith exige un texte du Coran et de la Sunna. Pour dire vraiment que quand le prophète Aïssa-Salem a visé les 70 et quelques branches de la foi, ça, ça en fait partie. Il faut que tu aies un dalil. Il faut que le prophète Aïssa-Salem dise cette chose-là fait partie de la foi, comme la pudeur. Est-ce qu'on peut dire que la pudeur fait partie de la foi? Naam. Est-ce qu'on peut dire que la ilaha illallah fait partie de la foi? Naam. Est-ce qu'on peut dire que ôter un débris du chemin fait partie de la foi? Et naam. Mais est-ce qu'on peut dire qu'autre chose? Non, il faut toujours des textes. D'accord? Prier, ça fait partie de la foi. On aura des versets, des ahadiths qui nous l'enseignent. D'accord? Ne pas forniquer fait partie de la foi. Ça aussi, des ahadiths nous l'enseignent. Mais on peut pas comme ça mettre des choses, les attribuer avec certitude à la foi. Mais on dit que de manière globale, ces choses-là, ça fait partie de la foi, si on se conforme au livre et à la sunna, même si les savants ont ramené des choses qui vont dans le sens de la piété et de la bienséance, etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on reprendra, Inch'Allah, la question 157, samedi. Voilà. Non, mais je suis bête, on va procéder différemment. S'il y a des questions-réponses, vous n'avez qu'à lever la main. Vous n'avez qu'à lever la main directement, et puis vous écrivez votre réponse dans la room. Puisque je connais tous ceux qui sont ici, puisque j'ai éjecté les deux fatènes de tout à l'heure. Vraiment rien à faire, les gens. Yannis, il a une question, très bien. N'hésitez pas à lever la main, je marque un tout petit temps d'arrêt pour voir un petit peu, et puis je prends vos questions, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shadun la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانيس peux écrire ta question mon frère inshallah elle fait quoi Nadia j'ai vu qu'il avait levé la main puis ensuite la main s'est rabaissée je sais pas si c'est un bug voilà tu relèves la main très bien je donnerai la parole après. Donc j'ai la question de Yanis. Wa alaykoum salam, akhi. Une petite question. On dit à quelqu'un, place ta confiance en Allah et fais les causes. Ou alors place ta confiance en Allah, puis fais les causes. Puis fais les causes. Mais et fais les causes aussi. Les deux sont obligatoires, akhi. Parce que si tu dis, c'est pas dans le sens, je vois ce que tu veux dire avec le et ou puis. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est pas par exemple Allah et toi m'ont donné ce logement. Non, je dis Allah puis toi qui m'a, je sais pas, facilité d'une quelconque façon d'aider là, m'ont facilité ce logement. Est-ce que tu comprends? Parce que là, c'est vraiment en termes d'action. Là, c'est ce que tu dois faire. Les deux choses, tu dois les faire. Non, tu dois placer ta confiance en Allah, mais tu dois aussi faire les causes. D'accord? Maintenant, en premier lieu, oui, toujours, si vraiment en termes linguistiques tu veux dire. Le puits, genre ça veut dire après, naam Yanis. Toujours tu places ta confiance en Allah avant toute chose. Place ma confiance en Allah avant même de penser à quoi que ce soit. Je place ma confiance en Allah pendant que je fais les causes. Je place ma confiance en Allah en faisant les causes. Puis, quand j'ai fait les causes, je continue à placer ma confiance en Allah. Allahu a'lam. Leïla. Inch'Allah, tu peux écrire ta question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Le libre arbitre fait partie de la volonté d'Allah, car tout se fait bi'idnillah. Tout est bi'idnillah. Tout est sous sa volonté. Tu as un libre arbitre, et bien sûr qu'il est. Il est le fait de je décide de te répondre là, je décide par mon libre arbitre de répondre à ta question, et j'ai aussi le libre arbitre de ne pas répondre à ta question, et je décide de le faire, c'est Ibnillah, c'est Allah qui me permet de faire l'aram. Ou de ne pas faire d'ailleurs. Le libre arbitre, bien sûr, qu'il est contraint à la volonté d'Allah. Naam. Allahu a'lam. Laura, tu peux poser ta question, Inch'Allah.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu sais si faire un vœu pour autre qu'Allah est pareil que jurer par autre qu'Allah, je n'arrive pas à faire la différence? Non, c'est différent. C'est totalement différent, je vais t'expliquer. C'est surtout bien plus grave. Le fait de jurer par autre qu'Allah, ça reste un shirk mineur. Le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, c'est du shirk majeur. Donc c'est bien plus grave. Jurer par autre qu'Allah, je n'aime pas cette parole-là, je ne le dis pas moi, mais c'est comme ceux qui disent « je jure sur la tête de mon père ». Donc c'est dans le terme d'expression, ça c'est un shirk mineur. Et donc tu jures que par Allah. Faire un vœu pour autre qu'Allah, le vœu est une adoration. Il y a Allah, je fais le vœu, je te fais le vœu pieux, c'est intérieur, c'est niya, il y a Allah, je fais le vœu pieux de donner tant sadaqa, ou je fais le vœu pieux, na'am, de jeûner tel jour. Subhanallah, quand tu fais un vœu, c'est exclusivement lié à Allah, c'est une adoration. Voilà. C'est une adoration. Ça rentre dans al-uluhiyya. Donc quand tu fais un vœu pour autre qu'Allah, ce n'est pas pareil que jurer pour autre qu'Allah, et c'est surtout bien plus grave. Allahu a'lam wa fiki barakallahu. Là, al-fiqa najiya. À toi, mon frère ou ma sœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'avoir peur de l'enfer est une forme de shirk? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord? Et à travers, je veux dire déjà, sans même répondre à ta question directement, avoir peur des choses de la dunya, qui n'ont rien à voir avec l'enfer pourtant. Des choses comme une peur naturelle du chien féroce, d'un loup, d'un ours, de brigands, de bandits avec des armes en bas qui veulent ta peau. C'est tout à fait naturel d'avoir peur. À la différence de la crainte révérentielle. On l'avait vu aussi dans un cours. La crainte révérentielle, c'est ce que tu as vraiment à l'intérieur de ton cœur. Tu crains Allah au creux de ton lit, savoir, il sait ce que tu penses, ce que tu as fait, tout ce que tu comprends, vraiment sur tous tes faits et gestes. La peur que quelqu'un te menace avec une arme, c'est juste lié au fait qu'il te menace avec une arme. C'est pas, tu te dis, je le crains comme Allah, genre il sait ce que je pense de lui, etc. Non, là on rentrerait dans la crainte haram. Elle est attribuée qu'à Allah, cette crainte-là. Dans le sens, tu la dois, c'est une crainte révérentielle envers Allah seul. D'accord? Ok. Mais la peur, khawf, tu peux en avoir pour plein de choses. D'accord? Et il y en a, et voilà, une grosse araignée qui viendrait, on dit, elle est venimeuse, elle est là, à côté de ton pied, à 3 cm, j'ai peur. Subhanallah. Et on a peur de différentes choses. Peur que, je sais pas, pour plein de choses. Donc ça, c'est une peur déjà naturelle. Et quand elle n'est pas dans la crainte révérentielle, elle est tout à fait naturelle. Bien sûr, il faut essayer de prendre un petit peu en hardiesse, comme on dit. Donc essayer de se renforcer, etc. Parce que le musulman est censé être fort, placer totalement sa confiance en Allah et de théorie ne pas avoir peur. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible, mais il y a du bien chez les deux, comme on apprend dans les textes authentiques. C'est mieux de ne pas avoir peur. Mais c'est permis. De toute façon, c'est naturel, c'est un sentiment, t'es pas un robot. Voilà. Alors ça, c'est pour les choses de la dunya qui sont pas très graves au final, mais la peur de l'enfer. En fait, c'est la peur du châtiment d'Allah. Donc quelque part, quand tu crains l'enfer, tu crains Allah. Je crains qu'Allah abatte son châtiment sur moi et me jette en enfer. Finalement, c'est une crainte d'Allah. Donc c'est absolument pas une forme de shirk, d'accord? Et puis je crains, si c'est l'enfer en lui-même, tu sais que c'est Bédnillah, tu sais que c'est Allah qui a créé ce feu de l'enfer, qui a tissé flamme, qui va te plonger dedans, qu'Allah te préserve, qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous pardonne. Et donc tu sais que c'est Allah, donc t'as peur de cette chose-là qui est, Yarni, d'ailleurs la même chose que si c'était des bandits dehors. C'est Allah qui les a créés et c'est Bédnillah qui font cette action, par exemple, de te faire du mal. Tu le sais aussi. C'est pour ça que tu dois placer ta confiance en Allah. Mais c'est peut-être moins direct dans ta tête. Tu vois, par rapport à l'enfer, tu sais que c'est l'au-delà, etc. C'est quelque chose. Les gens vont faire plus de rapprochement avec Allah en général. Alors que même, comme je dis, une chose de dehors, c'est quand même Qadar Allah. Tu vois, il y a des gens qui te font du mal. C'est pas en criant au secours, tu dis Allah, secours-moi. Parce que c'est Allah qui les tient par le toupet et qui leur permet ou non d'agir en mal contre toi. D'accord? Donc, non, cette peur de l'enfer, au contraire, elle est légiférée, même obligatoire. Sinon, tu seras. Dans une insouciance qui fait que tu n'auras pas peur de cet enfer, voilà, nous en préserve. Voilà. Ou à Antiyanta, je ne sais pas. Jazakallah. Wallahu a'lam. Et Abu Mohammed nous te disons. Wa alayka salam wa rahmatullah. Ya akhi, pourrais-tu nous faire, si tu as le temps, le livre de Abdallah al-Bukhari, Hafidallahu ta'ala, qu'est-ce que la salafia, inshallah, ça serait vraiment bénéfique.
Shukran akhi pour tous tes efforts dans la da'wah. Mes efforts sont minces. Encore une fois, c'est un bien cette da'wah. Mes efforts sont minces, ya akhi. J'aimerais faire plus, qu'Allah me permette de faire plus. C'est vraiment maigre. Et si c'est un bien que j'ai fait, c'est Allah qui me l'a permis. Comme on l'a vu dans le cours justement de croyance là. Si c'est un bien que j'ai fait, c'est Allah qui me l'a permis. Toutes les louanges et le mérite reviennent à Allah. Concernant ce livre-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça pourrait être pas mal pour éclaircir cela. J'ai une liste longue comme le bras de thèmes. On m'a demandé si ça a tel sujet. Bon, je peux forcément pas tout faire, mais c'est vrai que ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je vais y penser. Je vais y penser vraiment fortement. Ça pourrait être sympa de le faire peut-être en un ou deux cours. Des cours exclusifs dédiés à ça, je veux dire. On annulerait un ou deux cours de la semaine. Et ouais, ce serait tel cours, Naam, en direct sur la qu'est-ce que la Salafia. Je sais que Abdelrahman El-Kolo, il l'a fait récemment, bah, quand il est passé là justement à côté de chez moi. Il l'a fait dans son assise. Il l'a fait là récemment, le 11 mars, je crois, le week-end là, du 11. Là. Il l'a fait, donc c'est des livres qui sont régulièrement faits, ça, et apparemment ouais, c'est une référence là-dedans, c'est très très bien expliqué, donc bonne idée. Qu'Allah te récompense mon frère, c'est une bonne idée, je vais essayer de voir cela. Voilà, Wallahu a'lam wa ahkam, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser Inch'Allah, et je vous remercie pour votre écoute, en espérant, d'autres questions. Naam. Naam Noura, t'as quelque chose à ajouter? Désolé, juste pour dire que sur le Houda, il y a le frère Sidaté Abdurrahman qui a fait l'explication de ce livre. Très bien. Puis comme j'ai dit, bah oui, le frère aussi Abdurrahman Al-Kolo qui l'a fait aussi. Je crois qu'il y a d'autres frères encore. Qu'est-ce que la Salafia? Je sais pas si Mehdi Abou Abdurrahman aussi, SPF, il ne l'a pas fait aussi. Il y a déjà donc, des gens qui l'ont fait, c'est très bien, référez-vous à cela. Ça ne veut pas dire non plus que je ne le fais pas non plus pour ceux qui écoutent, on peut aussi propager nous. Parce que dans ce cas-là, sinon tout a déjà été fait, ma soeur. Kitab al-Tawhid, ça a été fait, la croyance en les musulmans de sur question réponse, ça a déjà été fait, la leçon importante que je comptais faire, ça a déjà été fait, mais tout a déjà été fait. Donc avec ce raisonnement-là, enfin, on ne ferait plus rien, parce que ça a déjà été fait par une seule personne. Non, on répand au plus grand nombre, ils l'ont fait, on le fait, alhamdoulilah, ça se répand. Mais c'est bien, Inch'Allah, de l'avoir précisé, pour ceux qui veulent déjà, d'ores et déjà, avoir accès à ce type de cours, bah, rendez-vous a priori sur El Houda, et le frère Sidati Abou Rahman a priori fait ce cours là. Barakallahu fikum. Wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demain inshallah, ben oui, jeudi pour Kitab al-Tawhid inshallah. Wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.